on est mort, c'est tout, on est dans la tombe. La tombe est une chambre, la tombe est une chambre noire, on est dans le noir, il fait noir. On ne voit rien, on ne peut plus ouvrir les yeux, ou les yeux sont ouverts et on ne voit rien. On ne sait pas, on ne bouge plus, la chambre est étroite, on ne bouge plus, on ne peut plus bouger, les bras sont lourds. On ne respire plus, on est dans le noir et dans le froid. J'ai froid, on ne grelotte pas, mais on a froid. Dans le noir, on ne voit pas qu'on a froid. On ne voit plus rien, on entend des bruits, on entend des pas, on entend des larmes couler. On est mort, c'est tout. Dans la tombe noire et froide, on attend. On est mort, c'est tout. Putain de Solex, je l'avais bandit au Georges devant le tambour, dans la grande côte, vers le vent, dans le dos, le virage, avant la ferme des ribous. Tambour hier freinait plus sec. À la soupe, je l'avais redit au Georges. Pense-y, frère hier, s'il n'y est pas rien sur le vélo Solex. J'ai dit donc un œil tantôt. C'est comme qu'ils auraient fait, monsieur le Georges. Mais Vincent avec le 3600, tu risques rien. Tu parles, tu parles. S'il n'y a pas qu'un poil qui est dans la main, le fils, ou qu'il en est, ça parle sur l'opio, ou quoi, parce que... Dans le bas de la grande côte, s'il n'y a pas que la marguerite des ribous qui grandit à l'étable, et que moi, j'achète une boule frère arrière, je me retrouve à faire la bascule dans la marguerite avec du fossé à purin, me suis plus relevé. Ah, la campagne. Les gîtes ruraux. Ah, les fleurs sur la table du salon. Les vraies salades de la ferme. Ah, l'hospitalité paysanne. Le tintement des cloches au cou des vaches dans les vertes prairies. Le bois fendu à la hache. La fatigue saine. Ah, le feu dans la cheminée. La soupe de légumes. Le silence profond de la nuit. Le sommeil lourd et réparateur. Ah, l'air frais des matins brumeux. L'air pur, les champs fumants, le gazouillis des oiseaux, l'aboiement des chiens au lointain. Ah, les conversations authentiques au marché local. Les petits chèvres frais des petits producteurs. Les gens simples au café de la mairie. Ah, les longues siestes paisibles. Les promenades dans les sous-bois humides. Les couleurs de l'automne. Les feuilles grissantes sous les pieds. Oh, les beaux bolets. La tombée du soir, l'Angélus au clocher de Sainte-Clotilde et son portail roman. Miam, la poêlée de champignons à l'ail et au beurre salé. Ah, le paisible cimetière rural. Une heure, ça a pris une heure. Pas plus. D'abord, un petit rinçage avec injection de tanatil. Bon, d'accord, le formol, l'odeur, mais bon, on s'y fait. Et puis mélanger à de l'oisine, ça donne comme de la vigueur, de la tonicité, même, je dirais. Ça fait ressortir les yeux, on se sent mieux, nettement mieux après, et puis hop, ils m'ont vidé. Complètement purgé de fond en comble. Zoup, un petit coup d'aspirateur et zoup, un coup de ramonage, et plus rien. Plus rien du tout. Plus de gaz, plus rien. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, vous voyez. Hein. Et après? Après, encore un petit coup de tanatil, un petit litre, en gros, hein, ça conserve, ça évite la peau trop blanche, cet aspect, comment dire, cadavérique, qui, enfin, je veux dire, ce serait quand même choquant pour les gens qui viennent nous voir, alors. Et puis, c'est pas si cher qu'on veut bien le croire, hein, c'est pas donné, c'est vrai, mais enfin, on peut quand même se permettre ça une fois dans sa vie, faut pas exagérer, hein, ça fait plus présentable. Et ensuite, un petit coup de maquillage, parce que les plaques toutes sombres, j'en avais assez vite fait un peu partout, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, un peu de fond de teint. Pour le formol aussi, faut dire le formol, ça brunit la peau un peu, hein. Mais bon, quand même, faut point trop quand même. Alors, un peu de poudre, ça évite que la peau soit, comment dire, parcheminée. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, presque transparente comme craquante. Alors, un peu de poudre, ça coûte rien, quasi rien, pas de quoi se gêner. Et pour finir, une petite prothèse. Ah, toute petite, elle se voit pas, on la voit pas, elle se voit pas. Juste une toute petite pour la bouche, pour éviter qu'on voit le mauvais rictus que j'avais là. Hein. Bah, je pouvais pas faire autrement, je pouvais pas. Hein. J'avais beau essayer de sourire pour l'emporter dans la mort, mon sourire, hein, dans la mort pour après. Hein. Mais non, il était là, le mauvais rictus. Alors c'était une bonne idée, la prothèse. Hein. La petite prothèse, toute petite, comme ça, là, avec le fond de teint. Et le reste, et ils ont pu voir mon sourire, mon beau sourire que j'emportais avec moi.
Rosalie Jobard. Néribou. Eh ben. Aïe. Rosalie Jobard. 1856-1934. La mort est-elle fin de tout? Qu'advient-il de notre pensée? La mort ouvre-t-elle sur le néant? La vie commence-t-elle après la mort? Si oui, que va-t-on faire tout ce temps? Se vit-elle à la première ou à la troisième personne du singulier? Convient-il de dire donc « je suis mort » ou « il est mort » ? La mort a-t-elle un avenir? Relève-t-elle du non-sens ou du non-être? La finitude est-elle imputable à la corporalité ou à la temporalité? Y a-t-il effet prospectif de la limite existentielle? Y a-t-il escamotage social du seuil fatal? La vie est-elle la fluxion de petites morts ou la mort l'influxion de petites vies? L'être ne meurt-il que parce qu'il vit? L'avenir eschatologique est-il désespérant? Bon, Alain Barré, 1934-1964. Bon, pas très simple, pas tout compris. Beau récapitulé, comprends pas tout et comment suis-je arrivé là? Et quoi? Bon, Jules Largui, mon beau-père, meurt le 12 août 1964. Descend la grande côte sur son vélo Solex tout neuf, et dans le virage juste avant la ferme des Ribous, heurte la Marguerite qui rentre à l'étable. Passe par-dessus et finit le crâne dans une pierre dans le fossé à Purin. Bon, on le ramène chez lui. On le lave, on l'habille, on le veille. Bon. Toute la famille se rassemble, on prie, on vante le défunt, on pleure. Bon. Le mardi, soit le 14 août, on l'enterre. Pouvait pas le garder plus longtemps vu la chaleur. Donc on l'enterre le 14 au matin. La messe à Saint-Clotilde, le départ vers le cimetière, toute la famille réunie. Le fils Georges, sa femme, Yvonne l'aînée, Sophie la deuxième, Claudine la gadette, ma femme, la mère Largui, enfin tous. Et l'oncle Louis, la tante Charlotte. Et la belle famille du fils Georges, les voisins, tous. Bon, on le met en terre, la bénédiction, on referme. Bon, on sort du cimetière, on va au café de la mairie chez la mère Pascal pour le repas, on reste au comptoir prendre l'apéritif, on boit 1, 2, 3 pastis, bon. Et là, Sophie qui lance que le vélo Solex, ce n'est pas un accident. On l'écoute, on se dit que le pastis et les femmes et l'émotion. Et Sophie qui réitère que tout ça c'est de ma faute. Que j'avais fait la révision le dimanche d'avant, que oui, d'ailleurs soutient Georges qui m'avait vu trafiquer autour du vélo Solex du père, que oui aussi déclare la mère Largui, que même c'était étonnant, renchérit Georges vu que je n'y connaissais rien, et mon père garagiste, rétorque alors Yvonne. Bon, et Claudine, ma femme, qui réfute que c'est n'importe quoi, Yvonne s'exclame que toujours j'étais pas franc. Oui, hurle la tante Charlotte, et la mère Pascal qui explique que c'est servi, et Georges qui gueule que j'avais épousé Claudine pour la ferme, et que je ne l'aurais jamais rugi, je crois, la mère Largui.
Et la mère Pascale, calme, qu'il n'y a pas que nous, qu'il vaut mieux passer à côté. Et l'oncle Louis qui braille à l'assassin. Enfin, je crois que c'est l'oncle Louis. Et Sophie, ou la mère Larguier, enfin une des femmes, qui prend la bouteille sur le comptoir. Et Claudine, ça j'en suis sûr, Claudine qui crie non. Mais après ça m'a échappé. Tout ce que je sais, c'est que je me suis retrouvé ici, le 17 août, à 16h, avec 7 coups de couteau, enfin, 2 dans le bras, 2 dans l'épaule gauche, 1 dans le ventre, ça c'était déjà plus grave, 1 dans le thorax, et un dernier au cou, le fatal, tranchant l'artère fémorale. Bon, ça, je comprends. Mais entre Claudine qui crie non et les 7 coups de couteau, là j'ai beau essayer, il y a des choses qui m'échappent.